spécialement des jeunes. On leur dit noir avec Pancho, Rasta, Mito, Katev, on prend le micro. Qui se font shoot, au moins on leur dit stop kill da ya ya. Mais j'ai comme l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Stop kill da ya ya. Marre d'apprendre qu'il y a des mômes qui se font shoot. Il y a trop d'enfants sur le parcours des balles. Et j'ai comme l'impression qu'ils trouvent ça normal. Il y a trop d'enfants qui meurent dans des explosions. J'ai comme une drôle d'impression. Toujours les mêmes raisons, là tu le contrôles le pouvoir. Toujours les mêmes qui ont, là tu le contrôles le pouvoir. Toujours les mêmes à l'origine des embrouilles. Ça me fout la trouille, car nous on leur dit stop kill da ya ya. Et j'ai comme l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Stop kill da ya ya. Marre d'apprendre qu'il y a des mômes qui se font shoot. Donc nous on leur dit stop kill da ya ya. Et j'ai comme l'impression rien à foutre. Normal, stop kill da ya ya. Marre d'apprendre qu'il y a des mômes qui se font shoot. Yeah. Évidemment, quand les cibles sont jeunes, elles sont fragiles. Nos jeunes sont leurs armes, nos jeunes sont leurs missiles. Nos jeunes donnent leurs armes à des dictateurs débiles. Comment sauver nos filles? Comment sauver nos fils? Comment sauver nos gosses de cette pourriture, yo? Comment sauver nos fils? Comment sauver nos filles? Ces tyrans font couler trop de sang. Mais ça fait trop longtemps qu'on attend les mesures de l'Occident. J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie la mort d'un enfant. Pour quel profit, pour combien d'argent? Oui, je voudrais comprendre comment ils évaluent sa valeur. Et pour combien de monnaie ils seraient prêts à vendre les leurs. Oui, je crois qu'il n'y a pas de limite pour ces hommes en quête de pouvoir. Mettre le peuple à leur service sans jamais laisser de pouvoir. Donc je passe ces hommes dans mon viseur et je pense pas que je me fous voir. Et je continue à leur dire, même s'ils m'envoient me faire voir. Et j'ai comme l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Qui se font shoot, bon, on leur dit no stop kill da ya ya. Et j'ai comme l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. No stop kill da ya ya. Marre d'apprendre qu'il y a des mômes qui se font shoot. Au milieu de la guerre, difficile de s'épanouir. Moi je pense à ces gamins qui n'ont pas eu le temps de grandir. Suivez le soldat, j'ai la place d'un enfant, on n'est pas au milieu du combat. Ils nous disent non, 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 et refusent de réagir. Non, 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 ils ne voient pas que ça empire. On leur dit non, 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 on ne vous suit pas dans vos délires. Pour nous, ces enfants doivent grandir avec le sourire, pas mourir. Pourquoi ces chefs d'État transforment-ils nos gosses en soldats? J'aimerais qu'ils me disent où est-ce qu'on va et s'ils pensent envoyer leurs femmes au combat. Pourquoi ils s'obstinent à croire en la guerre, ça je ne sais pas. Ils s'en prennent toujours au même, ils sèment la haine, nous ça les mène, ça ils le savent pas. Mais le jour du jugement viendra. Mais j'ai comme l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Stop kill da ya ya. Marre d'apprendre qu'il y a des mômes qui se font shooter.